Alors, pour moi, la vis, la vis, on va dire le gicleur de ralenti, il est bien là et il est serti, non vissé. Bon, là, il est plus, je l'ai enlevé. On va voir si je peux régler autrement. Bon, donc, vous voyez qu'il est serti au niveau de mon doigt. Là, il y a un petit embasement un peu différent, un peu plus petit aussi. Par contre, il est complètement bouché, hein. Il n'y a rien qui passe de là à là. Par contre, je ne sais pas si on va le voir. Je vais reprendre la vidéo. Je reprends parce que j'ai focalisé là à peu près à 10 cm. Vous voyez, il y a deux petits trous, deux fois deux petits trous là. Et là, hop, là on voit le jour à travers. Bon, ça passe, c'est pas bouché, ça correspond avec ce trou là. Par contre, l'ensemble de ces 5 trous, donc 1, 2, 3, 4, 5, ne débouche pas du tout ici. Dans ce trou là. Le but c'est nettoyer ça. Alors la marque c'est un Kein, Kenin, je sais pas comment on dit, hein, Japan. C'est un PD, mais non, c'est la référence 21A. Après il y a un A dans un carré et ensuite il y a QL avec un pictogramme japonais derrière, là. Allez, ça y est. J'ai réussi à passer mon fil. Hein. C'était sacrément bouché, je pense. Hein. Bon, là, le bout, je l'ai tordu un peu dans tous les sens. Comme ça, je vais pouvoir ramonner. Hein. Doucement, et ça devrait le faire. Et ben ça n'a pas été sans mal. Ça fait deux fois que je démonte. J'étais pas sûr que c'était que ça soit traversant. C'est en lisant un poste que j'ai vu ça, donc j'ai redémonté.